Hola, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo de type Petit Bonheur. On est dimanche, Petit Bonheur of the Day, du day. Je me pose enfin. Il est 21h30, je vais m'apprêter à manger. J'ai fait tout mon ménage et tout, donc je suis super contente. Là je suis au top. Bon, il me reste 2-3 trucs à faire, mais je les ferai demain. Et donc là je m'en vais aller manger devant Grey's Anatomy. Et ça c'est le pied. Voilà, parce que du coup ils ont enfin remis sur TF1. Et franchement ça fait trop plaisir, parce qu'ils avaient arrêté la saison en plein milieu. Et que là du coup, bon, ils reprennent en plein milieu aussi. Mais ça va, c'était... je crois pendant le confinement, mois de mai, et d'un seul coup ils avaient arrêté, et donc là c'est bon, ça a repris. Donc voilà, c'est mon petit bonheur of the day, du day, avec monsieur Sully qui commence à s'endormir à côté de moi. Et puis après je vais me prendre un petit thé, un petit dessert, et puis au lit. Petit bonheur of the day, du day, on est lundi. Mon café, ça faisait longtemps que je vous ai pas montré mon café. Ouais, mon café, j'en ai trop besoin ce matin, ça pique. Petit café, petit gâteau qu'une amie m'a ramené d'Espagne, ils sont trop bons. Deux mini cookies et puis une petite part de cake. Je mange un peu plus ce matin parce que je pense que je mangerai pas à midi vu l'heure, il est déjà 10h. Mais voilà, ça fait du bien là de se réveiller tranquillou. Il fait gris, mais c'est pas grave, aujourd'hui ça sera une belle journée, j'en suis sûre. Deuxième petit bonheur of the day, du day, j'ai mon petit voisin qui est fleuriste, qui du coup m'a apporté deux petites orchidées comme ça, mono, donc je sais pas trop comment ça s'appelle, c'est voilà, comme ça, je vais les déballer, je vous montre un petit peu mieux. Une blanche et une rose. Alors je pense que normalement on les laisse dans la boîte, hein, mais moi personnellement j'ai pas spécialement envie de les laisser dans la boîte, je préfère les sortir, je sais pas trop où je vais les mettre. Bon, je pense que je vais les laisser... peut-être dans la cuisine ou sur ma table de salon. Ouais, sur ma table de salon. Mais en tout cas, je suis super touchée parce que c'est super joli. À chaque fois, il pense à moi quand il a des restes de fleurs et j'adore ça. Petit bonheur of the day, du day numéro je sais pas combien. On est toujours lundi. Le retour de la boîte à gourmandise. Si tu me suis depuis très longtemps, tous les hivers, j'ai une boîte à thé que je transforme en boîte à gourmandise. Alors là, j'ai pas grand chose entre guillemets, d'habitude c'est plus des chocolats, mais là j'avais envie de caramel, caramel carambar, des sucettes que Maya m'a offert. Là en dessous il y a, oups, ça tombera pas plus bas, en dessous il y a des petits caramels mous pareil que Maya m'a acheté. Il y a deux petits Ferrero qui me restaient de l'année dernière, je crois, je pense. De toute façon, j'en achète pas en dehors de Noël, donc je pense que c'est ça. Les petites barres, le bon Malakoff que j'ai eu la dernière fois à ces mois. Il me reste ça aussi, un vestige. Et bon, bah après, de toute façon, je pense que quand je pourrai aller faire des courses, hashtag confinement, tout ça, tout ça, tout ça, je pense que quand j'irai faire des courses essentielles pour moi, bah, j'achèterai peut-être une petite boîte de chocolat ou quelques gourmandises, un peu plus Noël, on va dire, pour mettre dans ma petite boîte. Et en fait, donc au goûter, je me fais un thé avec une petite gourmandise. Quand il y aura du coup les calendriers de l'Avent, j'aurai le thé du calendrier de l'Avent. Si j'ai trouvé un calendrier de l'Avent gourmandise, il y aura aussi ça. Mais pour le moment, en tout cas, j'ai cette petite boîte et je suis super contente. Et puis encore un petit bonheur parce que j'ai envie. Je vous l'ai dit, ça serait une belle journée aujourd'hui. J'ai fait du diamond painting tout à l'heure. Ça m'a fait plaisir en regardant des petites vidéos YouTube. Et là, bah, je me pose du coup avec un petit café. Donc là, c'est pas un thé parce que je suis un peu fatiguée. Donc je me suis fait un café, deux petits carambars, un Ferrero. Alors je vais pas trouver de date de péremption, j'espère qu'ils sont encore bons. Et je vais feuilleter un petit magazine Disney Fun, là, parce que du coup que j'ai eu en don, là je vais les regarder. Et le tout devant un replay, je vais me mettre Famille XXL que j'ai pas pu regarder cette semaine finalement avec les enfants. Ça a été un petit peu trop la course. Et puis bah voilà, je vous retrouve peut-être plus tard pour un prochain petit bonheur. Petit bonheur of the day, du day, je m'en vais me prendre un petit bain avec un petit livre pour me détendre un petit peu. Petit bonheur of the day d'hier, j'ai oublié de filmer, en fait je l'ai vlogué mais j'ai oublié de filmer. J'ai eu enfin des nouvelles de ma formation et du coup elle commence lundi. Je suis super contente, logiquement sur les 4 jours il y a 2 jours à la maison, 2 jours là-bas. Je vais recevoir le planning par mail, je crois que je l'ai reçu mais j'ai pas trop eu le temps de le regarder parce qu'en fait je l'ai vu 22h hier que j'avais reçu. Donc là je vais aller voir tout à l'heure. Donc 2 jours à la maison, 2 jours en visio. Et ça c'est cool, et ça s'arrête normalement fin novembre d'après ce qu'elle m'a dit au téléphone, du coup je l'ai appelée, donc je suis super contente.
Petit bonheur of the day du day, petit café en dessert, voilà, avec deux petits chocolats, je sais pas ce que je vais manger, j'ai pris plusieurs trucs, et le tout devant le replay de Famille XXL, et puis après ça sera film de Noël, voilà, tranquillou, et je vais faire certainement des petites perles. Petit bonheur of the day du day. J'ai eu peur, j'ai cru qu'il allait m'attaquer. Mais qu'est-ce qu'il y a? Toi aussi tu t'y fais pas au nouveau salon? Ça te fait bizarre? J'ai changé mon salon de place. Oui, encore. Ça fait même pas un an que je suis ici. Ça fait 2-3 fois que je le fais. Mais voilà. J'étudie toutes les possibilités. Non, mais en fait, dans le vlog, j'en parle que je cherche une dispo pour mettre mon sapin. Et ben voilà, c'est bon. J'ai changé mon salon de place. Une bonne douche qui fait du bien après tout ça. Et je te montre ça dans le prochain vlog que tu auras ce mercredi. Hey, Sully, ça te dérange pas que je parle? Hein? Sully? Ça te dérange pas? Il me fait peur. J'ai peur qu'il m'attaque la tête. Il a son quart d'heure de folie. Mon téléphone, tu me le fais pas tomber, s'il te plaît, merci. Voilà, donc en fait, petit bonheur du jour, j'ai changé mon salon de place. Je suis contente du résultat. Ça fait beaucoup plus d'espace. J'ai bien pu séparer le côté asthmate et le côté vie. Et j'aime beaucoup. Et ouais, je gagne de la place. Ce qui va me permettre de pouvoir acheter petite table et chaise. Je vais regarder sur le bon coin, sur les sites internet, etc. Je les voudrais en bois, style celle de Ikea, là, à 24 euros. La chaise, les deux chaises plus la table. Voilà, je vais avoir de la place pour me faire un petit coin repas, activité pour les enfants à hauteur d'enfant. Donc je suis contente. Enfin bref, je te montre ça dans le vlog de mercredi. Je te fais des bisous, je te dis à demain pour un prochain petit bonheur. Petit bonheur of the day du day. Après hier avoir changé le salon, j'ai refait ma déco aujourd'hui. Je te montre ça, le reste, bah, tu le verras dans le vlog de mercredi et je suis super contente. Je suis aussi presque à jour dans mon linge et il me reste juste les draps des grands à laver. Et puis, mais bon, je vais avoir tout le week-end pour le faire puisque confinement, tout ça, donc je pourrais pas sortir. Et puis, bah voilà, donc je te dis à demain pour un prochain petit bonheur. Petit bonheur of the day du day. Il est 15h, je m'en vais enfin manger. On est samedi. Oui, c'est fin des samedis. Je me suis pris des sushis à Auchan parce que je savais très bien que j'allais rentrer tard. Je te dis pas plus parce que tu verras dans le vlog de mercredi. Mais là, je peux te dire que j'ai trop faim. J'en peux plus. Je suis à jeun en plus. Donc là, j'ai la dalle de chez la dalle. Et je me suis pris des petites gourmandises pour le dessert que je te montrerai juste après. Deuxième petit bonheur of the day, mon dessert goûté, parce que du coup il est super tard. Je me suis acheté un nouveau thé orange cannelle, il sent trop bon, je ne l'ai pas encore goûté. Et au marché ce matin, je me suis pris des petits gâteaux orientaux. Je me suis pris la moitié, voilà, je m'en suis pris 4 différents, là je me suis pris la moitié. Et puis ben voilà, pour le dessert goûté. Et moi je pense que je vais vous laisser là pour le petit bonheur en tout cas. J'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas que vous pourrez voir ce mercredi un vlog qui sera un petit peu long, j'en suis désolée. Je vais te le redire ici mais j'arrête pas de le répéter sur Instagram ou dans les vlogs etc. Mais depuis quelques temps tu peux voir en barre sur la barre là qui défile des séquences et dans la barre de description des séquences. Ce qui te permet de pouvoir regarder surtout pour les vlogs en partie. Donc si par exemple tu veux regarder une partie par jour, tu peux regarder une partie par jour dans la semaine du mercredi au mercredi ou si t'as pas le temps etc. Parce que je peux comprendre que c'est assez long, 40-50 minutes ou plus. Mais voilà, tu as des séquences, donc il suffit de te rappeler juste à quel jour tu t'es arrêté. Quand tu reviens, pouf, tu recliques sur le jour en barre d'infos et comme ça, bah, ça te ramène directement au jour où tu en étais. Donc voilà, donc pour la petite information. Sur ce, je te fais des gros bisous, je te dis à très vite pour un prochain petit bonheur.